Alors, bonjour à tous. Un exercice ici très intéressant sur l'électrocinétique et le calcul d'une intensité I qui va traverser une résistance R. Nous avons un circuit ici avec, ici nous avons une première maille, une deuxième maille, une force électromotrice E1 qui va générer un courant dans ce sens et une force électromotrice ici, on va l'appeler E2, qui va générer un courant dans ce sens. Et nous, on cherche une expression assez simple du courant qui va traverser cette résistance R. Alors, on va appliquer une méthode qui nous permet de calculer en fait la différence de potentiel ici entre A et B. Et quand on aura cette différence de potentiel, eh bien, on appliquera, par exemple, la tension est égale à RI. Comme R, il est censé être connu, on aura I. Alors on y va, regardez. C'est une méthode un peu originale. Le potentiel en A, ici, vous voyez, il y a trois branches, enfin, il y a trois lignes ici. Une ligne là, une ici et une ici. Le potentiel en A, on va aller rechercher ici les forces électromotrices. Donc E1 sur R1. Hein, vous faites comme ça, E1 sur R1. C'est fini pour cette branche. Au niveau de cette branche, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici VB, hein, ici il y a un potentiel VB, on va chercher le potentiel divisé par la résistance. Ici on avait été chercher le potentiel. Plus, au niveau de cette branche-là, on va chercher ici la force électromotrice E2 divisée par R2. On va mettre ici R2. Et ensuite, il faut diviser par l'inverse de chaque résistance. 1 sur R1 plus 1 sur R plus 1 sur R2. D'accord? Donc, on a écrit ici hein, une forme de théorème au nœud A. Le potentiel en A, c'est E1 sur R1 plus VB sur R plus E2 sur R2. Alors, on a supposé ici que le VB. Le potentiel VB, c'était 0 volts. Hein, qu'ici, en fait, c'est un peu comme si vous aviez la masse. D'accord? Donc, on va annuler ce terme. Maintenant, on sait que UAB, si je représente cette tension ici, hein, je l'appelle UAB, UAB, c'est VA moins VB. On est d'accord, hein? Ça c'est la définition. VB c'est 0. Donc on peut dire que la tension entre UAB correspond au potentiel électrique au point A. Et on sait que UAB, d'après la convention, regardez le sens du courant, est à l'opposé ici de la flèche de la tension, c'est RI. UAB est égal à VA, c'est RI. Donc on tire assez aisément que I est égal au potentiel en A divisé par R. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de simplifier un peu cette écriture. On continue de simplifier l'écriture de I. Alors divisé par R revient à multiplier par 1 sur R. Alors le R qui est au dénominateur, je vais le multiplier hein, ici à l'ensemble de à la somme de ces termes. Donc on obtient donc E1 sur R1 plus E2 sur R2. Alors 1 sur R fois, enfin le R, hein, le R fois 1 sur R, ça me donne 1, plus R facteur de cet ensemble. Bon, je peux le laisser comme ça. Ensuite, je vais mettre l'ensemble au même dénominateur, R1, R2. Donc ici, le R1, je vais le multiplier par R2, R2, R2. Le R2 ici, je vais le multiplier par R1, R1, c'est facile. Ici, le 1, je vais le multiplier par R1, R2 au dénominateur et au numérateur. Le R1, je vais le multiplier par R2 et le R2 par R1. Au-dessus, si je fais la somme de ces deux fractions, j'aurai un unique dénominateur qui s'appelle R1, R2. Ici, je ne l'ai pas écrit, mais si on met au même dénominateur, ça sera le même, R1, R2. Et je vais faire la multiplication inverse, donc R1, R2 sur ce que je vais retrouver ici, c'est-à-dire R1, R2 plus R, R2 plus R, R1. Je simplifie.
Et au final, il me reste l'intensité qui va traverser la résistance. Donc vous voyez, c'était un exercice relativement simple, avec un théorème très pratique qui permet de calculer le potentiel électrique en un point du circuit avec différentes mailles. Vous voyez, c'est assez puissant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a d'ailleurs pas mal de vidéos en physique-chimie pour le post-universitaire. Et si vous avez aimé, un petit pouce bleu. Et aussi, vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas, hein. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos.